Bonjour Patricia Giroux. Bonjour Fred. Alors on est mercredi 13 juillet, juste avant les feux d'artifice. Je m'étais dit tiens, on va aller voir Patricia Giroux qui fait du yoga à Bergerac et pas toujours au même endroit. Maintenant tu es ici, rue Saint-James. Oui voilà, les cours collectifs c'est essentiellement ici. Un cours à Belémas le mercredi matin pour permettre aux gens dans ce circuit-là de pouvoir venir et des cours individuels. Alors, ton parcours et puis le lieu où tu as pratiqué, ça n'a pas toujours été ici. Mon parcours professionnel, tu veux dire, ou mon parcours de yoga? Alors, les deux. Voilà, bon, ça va être long. On va essayer d'être concise. J'ai été prof d'anglais dans un lycée expérimental sur l'île d'Oléron pendant 2 ans. Et puis, j'ai démissionné. Et là, j'ai dû travailler. Donc, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique comme déléguée médicale pour un gros labo. Et là, je ne pensais pas y rester. J'y suis restée 20 ans. Ça m'a permis de me mettre au yoga, d'aller en Inde, de faire mes formations. Et en 2009, il y a eu un plan social. Et j'ai choisi de partir. D'abandonner ce métier pour lequel je n'étais plus faite, plus en cohérence, absolument inutile pour moi. Et d'aller vers l'enseignement du yoga. Alors, tes premiers cours de yoga, tu les as donnés où ? J'ai donné en 2010, alors j'ai donné à domicile, chez des gens, chez des Anglais, en anglais. J'ai commencé comme ça, et on m'a prêté une maison, et j'ai fait un cours avec 4 ou 5 personnes. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu de plus en plus de monde, et maintenant j'en vis. Tu en vis, tu peux préciser un petit peu, est-ce qu'on peut s'acheter une Maserati ou... Oui, une Porsche, mais non, j'en vis beaucoup moins, je suis beaucoup moins à l'aise financièrement que dans mon ancien boulot, mais plus heureuse, avec ce sentiment d'être utile. Alors qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui démarre? Est-ce qu'il faut avoir été en Inde, où ça fourmille de différents et divers yogas? Pas du tout. Pas du tout, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'Inde, ce n'est pas vraiment la capitale, la Mecque du yoga, sachant que les grands maîtres sont passés en Occident et que c'est un produit qu'on propose dans les centres touristiques, un petit peu comme on proposerait des massages, on répond à la demande des touristes. Donc on peut avoir des enseignements de qualité, mais on peut avoir aussi des enseignements qui ne tiennent pas vraiment la route, sauf évidemment dans certains ashrams, où là, on est sûr de la qualité de ce qu'on fait. Donc, absolument pas besoin d'aller en Inde pour pratiquer le yoga. Juste, je dirais, venez, posez-vous et vous verrez après si vous avez envie de continuer ou pas. Mais pour devenir enseignant, être professeur de yoga, peut-être qu'il faut intégrer une fédération, avoir un certificat. Alors, pour l'instant, c'est très, très flou. N'importe qui peut poser une plaque professeur de yoga sans avoir justifié sa formation. Et c'est un petit peu, je ne me bats pas contre ça, mais c'est un cheminement aussi, ça prend du temps de se former. Moi, j'ai intégré la Fédération française d'Hatha Yoga, créée par Sri Mahesh, qui est arrivé en France en 1948. On peut dire que c'est celui qui a introduit le yoga en France dans les années 1948. Et j'ai fait un cursus de 4 ans avec un mémoire et avec une soutenance de mémoire. Donc c'est un cheminement et on n'est pas obligé d'aller en Inde pour le faire. On peut tout à fait le faire ici. Il y a pas mal de centres en France qui le font et de qualité.
J'avais regardé la définition du yoga sur Internet. Yoga égale contrôle en sanskrit. Et puis la définition, discipline védique visant par la méditation, la gymnastique et l'ascèse à réaliser l'unification de l'être dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels. Alors, yoga, oui. Yoga, ça vient de la racine sanskrite yug, qui veut dire relier, rejoindre, et rejoindre le corps et le mental, pour aller vers une unité. Trouver la paix du mental par un travail sur le corps, et par la paix sur le corps par un travail sur le mental. Donc la méditation, c'est une des 8 marches que constitue la voie du yoga. Les postures en sont une, la respiration en est une autre. Donc c'est très graduel en fait, hein. Ce sont des marches qu'on peut franchir si on s'est bien assuré de posséder les premières marches. Je m'explique, les premières marches, c'est un petit peu, ça s'appelle yama et niyama, la première et la deuxième marche, étape pour arriver au yoga suprême, mais on ne fait pas du tout en Occident ça. Ce sont des règles de conduite. Ne pas voler, ne pas nuire. Donc c'est très très proche de la religion catholique. Après vient la troisième marche qui est la marche des postures, ce qu'on fait en cours, les asanas. Après il y a la marche de la respiration, du pranayama, du contrôle du souffle. Après, si on a simplement passé ces 4 marches-là, on peut accéder à la méditation. Après il y a le retrait des sens pour arriver à un état d'éveil samadhi. Donc c'est le yoga, les asanas en Occident et le contrôle du souffle, le pranayama, ça constitue 2 marches de cette voie du yoga, de cette discipline du yoga en fait. Et ça vient directement du bouddhisme et du bodhisattva ou est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé après ou avant ? Alors non, c'est l'hindouisme, c'est parti de l'hindouisme. Le bouddhisme est une des branches de l'hindouisme. C'est l'hindouisme qui a généré le bouddhisme. Les textes de Patanjali auxquels on fait référence, ce sont des traités du 5e siècle qui stipulent déjà ce qu'est le yoga. Donc il y a des textes védiques aussi avec des enseignements. Donc on a puisé là-dedans pour pouvoir faire les asanas et pour pouvoir faire notre pratique de yoga telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Donc ça va dans la nuit des temps, on peut dire que c'est une discipline millénaire. Alors, est-ce qu'en Inde, on pratique à la fois le yoga, le qigong, le tai chi, voire des arts martiaux ? Est-ce qu'on se consacre autant à un ou à plusieurs disciplines ? Alors oui, on peut pratiquer le yoga. J'ai été formée à la yoga thérapie dans le centre de l'Inde, dans un institut de recherche en yoga thérapie, où les gens de la ville venaient en consultation quand ils étaient malades, pour qu'on leur prescrive, entre guillemets, des postures de yoga, de la respiration, à faire très très régulièrement pour améliorer leur état de santé. Donc le yoga fait partie de la vie des Indiens, de certains Indiens en fait, pas de tous. Et c'est de plus en plus implanté en Occident, mais en Inde, dans la capitale du yoga, mettons à Rishikesh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Indiens aussi qui pratiquent le yoga. Oui. On m'avait dit de gens qui étaient partis en Inde, ils disaient, qu'est-ce qu'il fait celui-là ? C'était un monsieur qui était par terre, mais il médite. Oui, c'est ça. Il reste. En fait, ce qu'on fait nous, les asanas, le travail postural et le travail sur le souffle, sont là pour nous aider à avoir un corps plus fort, plus robuste, pour être capable de rester en assise méditative. C'est pour ça que les asanas et le pranayama sont des étapes qui mènent vers la méditation. Et effectivement, j'ai vu dans l'Himalaya certains ermites qui méditent 20 heures par jour. Alors, et quand vous avez un nouveau patient, ou pas forcément patient, parce que patient c'est un côté négatif dans le sens où on peut être malade, mais on peut venir aussi en très bonne santé, et vous faites comment ? Vous faites un plan, une planification de ce que vous allez faire ? Alors ça dépend, si c'est un cours individuel, vous disiez patient, oui, il y a des gens qui viennent pour des consultations en yoga-thérapie, qui ont un problème X ou Y, une hypertension, un diabète, un cholestérol. Et dans ces cas-là, avec eux, on va chercher les postures du yoga qui vont activer au niveau organique
les organes en question et pour avoir une meilleure santé, donc pour sortir un petit peu de sa maladie. Donc là, effectivement, oui, on fait 4 ou 5 séances et le patient s'engage, lui, chez lui, à faire matin et soir les exercices. On devient acteur de sa santé. Je veux dire, on ne prend pas un médicament. Si on s'engage sur cette voie pour être mieux quand on est malade, c'est important de tous les jours de pratiquer. Et en cours collectif, non, les personnes viennent, remplissent une fiche pour savoir s'il y a des antécédents et intègrent un cours collectif. Alors le cours collectif, c'est un cours différent. Oui, bien sûr, parce que c'est pas à viser, je vais pas travailler que sur le diabète ou que sur l'hypertension. C'est un cours collectif. Alors, ça dépend aussi les pratiquants qui sont là, ce que eux ils ressentent, s'ils se sentent fatigués, s'ils se sentent en forme. Moi, je vais essayer de pratiquer des postures pour les aider à être mieux, en fait. Est-ce qu'il y a une limite au yoga? Est-ce qu'on peut s'arrêter à un moment donné et dire qu'il faut entamer autre chose? Non, c'est un chemin à l'infini. Il y avait un fameux Swami en Inde qui disait au bout de 30 ans ou 40 ans qu'il commençait juste à entrevoir ce qu'était le yoga. Donc c'est un puits sans fin. On s'arrête jamais en fait. Sans compter que on ressent les bénéfices, donc on n'a pas envie d'arrêter. On fait travailler le corps, on met le corps en mouvement et le mouvement aide à la bonne circulation, donc à être en bonne santé. Donc on n'arrête pas, des élèves commencent même à 80, 85 ans avec des résultats tangibles. Est-ce qu'il y a des conseils de vœux de bouddhéité, de cuisine végétarienne? Absolument aucune. Les gens viennent avec ce qu'ils sont et après à eux de voir s'ils ont envie de pratiquer un peu plus, s'ils ont envie de manger autrement. Mais moi, en tout cas, je ne suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour leur donner envie aussi, les aider. Leur transmettre ce que moi j'ai appris et qu'ils fassent aussi leur chemin. Donc non, je ne donne absolument pas de conseils. Et puis peut-être des positions les plus faciles. Voilà, des positions. Là, je vais partir un mois et demi. Ils ont reçu une petite fiche de séance qu'ils peuvent pratiquer eux facilement tout l'été s'ils en ont envie. Donc je donne très souvent des conseils aussi bien respiratoires que des postures assez faciles si... on a trop travaillé au jardin et si on a le dos en vrac ou si on a trop conduit ou si on a une respiration très haute parce qu'on se sent stressé. J'essaie de donner des outils pour que les personnes puissent, elles, s'en servir, une caisse à outils en fait, et qu'elles puissent s'en servir en dehors des cours. Oui, un peu comme le Tai Chi Chuan, il faut pratiquer, je pense. Hein. C'est ça. C'est pratiquer. Que ça devienne comme une hygiène de vie, que ce soit la pratique qui soit quasi quotidienne en fait. Je faisais naturellement, sans savoir que c'était du yoga, la chandelle, tout petit, parce que je savais que ça irriguait beaucoup les organes internes. Voilà, c'est ça. Shirsana, la posture que j'ai faite sur la tête, c'est une posture évidemment qui a des contre-indications, ça c'est sûr, parce qu'il y a un retour sanguin très fort, mais on stimule des centres nerveux, donc chaque posture de yoga va avoir des bénéfices cliniques importants, et aussi certaines des contre-indications. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on fait quand les gens viennent pour la première fois. Très bien, ben merci. Au 26 rue Saint-James. Merci beaucoup. Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui.